Et bonjour à tous, ici Arcanum et bonne année puisque c'est la première vidéo que je tourne en 2023. Donc bonne année 2023 et surtout bonne santé. Et aujourd'hui, vu que je viens de souhaiter la bonne année, c'est le focus nouvel an avec Ask et Ambla en perso. Mais on n'a pas que ça. Donc comme vous voyez, il y a déjà des quêtes de fées. Quête de janvier, le classique, ça c'est les quêtes nouvel an divin et nouvel an. Alors comme je ne les ai pas toutes faites, ce sont des quêtes pour avoir des tickets pour le focus, les deux focus nouvel an, alors celui de l'année dernière et celui d'il y a 2 ans. Sachant que j'en ai fait pas beaucoup, très peu des deux, c'est l'occasion de pas d'essayer d'avoir quelque chose. Mais je crois que j'avais regardé, mais il ne manque pas tant que ça de héros. Donc le focus nouvel an divin, on va le faire maintenant en normal. Cap sur les célébrations. Ça va être rapide, hein. C'est un annexe. Les annexes durent pas très longtemps. Donc, quelle personne saine d'esprit assisterait à ce genre d'événement? Ne dis pas cela en blas. Les festivités ne peuvent pas débuter sans vous. Je me suis fait peur tout seul. C'est pas mon problème, je refuse. Je suis très sérieuse. Bonne année à vous deux pour fêter cette joyeuse célébration. Je voudrais. Ici, un problème. Dame en blas, que se passe-t-il ici? Vu que nous sommes habillés pour l'occasion, nous pourrions participer aux festivités traditionnelles ensemble. Quelle proposition si généreuse, je serais honoré de me joindre à vous si ça ne vous gêne pas, bien entendu. J'irai également, je refuse d'être laissé de côté. Qui a dit que nous irions? Ambla, mais soyez pas désagréable, après tout c'est une célébration. En plus, Helm veut se joindre à nous. Bon sang, Helm, vous? Non, je veux pas y aller, j'ai juste dit que si tout le monde y va, je veux pas être sur le seul à rester ici. Bon, c'est décidé, venez tous, allons donc participer aux traditions du nouvel an. Seigneur Ask, puis-je demander à quelle fête traditionnelle allons-nous assister et où aura-t-elle lieu? Vous voulez absolument venir sans même connaître les moindres détails. Comme ces habits, les célébrations traditionnelles viennent d'un autre monde, du monde territoire nommé Oshido. Partie de célébration implique d'aller rendre visite à une divinité résidant au sanctuaire local. Nous avons déclaré nos résolutions pour la nouvelle année et nous lui demandons de veiller sur nous. Pourquoi un dieu a-t-il besoin d'aller voir une divinité d'un autre monde? Vous vous prêtez à cette tradition sans la remettre en question, Ask? Qu'est-il à remettre en question? Tout comme nous sommes des dieux ici, il y a d'autres dieux et dans d'autres mondes, c'est aussi simple que ça. Vous suivez les traditions d'autrui, les yeux fermés sans même y réfléchir à deux fois. Nous sommes si incompatibles. Le dieu Ask du royaume de l'ouverture et la déesse Ambla du royaume de la fermeture. Ils sont venus ensemble pour célébrer la nouvelle année. Parce que oui, Oshido représente le Japon. Et donc, littéralement, il représente les traditions japonaises. C'est Oshido. La salle d'Ambla, il a fait des efforts et éprouve désormais un vague intérêt pour les festivités. Donc, on aura peut-être d'autres helmes. La salle d'Ask, à laquelle la nouvelle année est remplie de gratitude. Depuis le livre 3, si je dis pas de bêtises, ce sont les héros des précédents livres qui servent... Ah merde, j'ai oublié de mettre les animations. Alors bien sûr, Ask est un perso très très fort. Ah oui, cette année, les hitmarks, on va dire, les... sont littéralement des gribouillis. C'est très drôle. Alors ne jugez pas uniquement au level normal, mais Ask est vraiment très très fort. J'ai fait la tourmente avant de faire comme ça au moins tout est prêt, hein, comme ça j'enchaîne. Et croyez-moi, Ask, qu'est-ce qu'il est dur à tuer ce perso. On dirait que nous n'allons pas poursuivre le chemin par ici. C'est regrettable, dans ce cas nous devons faire un détour. Mère et fils. Ah, c'est Yarn et Palné. Non, là je viens de voir un fanart, on peut appeler ça. Fanart de Celica et de Halm, il est plutôt joli en version Oshido. Je souhaite que les Tagwell n'échappent à l'extinction et que j'entraîne une relation plus digne que celle attendue entre une mère et un fils. Tant que nous y sommes, qu'il soit plus gentil avec moi de manière générale, et aussi qu'elle... Qu'est-ce que vous marmonnez par là-bas, Yarn? Oh, merde, c'est que vous. Je pensais que j'allais demander quand nous irons au sanctuaire.
J'ai entendu dire le mot mère et je sais pas quoi d'autre. Oh, c'est juste que j'allais faire le souhait que vous restiez tout aussi saine et forte pour l'année à venir. Oh, vraiment. Alors, par contre, je n'ai pas d'explication concernant les bêtes. Parce que depuis 4 ans, on a eu Lear, on a eu Kira. On a eu Shellkey, Kaiden. On a eu Veloria et Kaiton. Bon, ça c'est normal, ils viennent d'Oshido et de Nord. Membre des Taguel, elle se transforme en lapin et elle s'est habillée en conséquence pour fêter le nouvel an. Membre des Taguel. Je sais pas comment ça se prononce. Enfin, ça se prononce pas les Taguel. C'est les Taguel. Il peut se transformer en lapin. Il est ravi du rôle important que ces animaux jouent dans les festivités de cette année. Je sais pourquoi c'est eux deux. Parce que c'est l'année du lapin, en fait, dans le zodiaque chinois. C'est pour ça qu'ils ont mis Yarn et Palné en perso du nouvel an. C'est parce que le nouvel an, le signe du zodiaque de cette année, c'est le lapin. Et l'année dernière, c'était le tigre. C'est pour ça que c'était tigre. C'était Kira et Lef. Et et Lear. Ils prennent... Attends, c'est quoi celui de 2024? Voir qui c'est, hein, voir s'il y a un animal qui représente. Signe zodiaque 2024. Parce que bon, le jeu sera soumis jusque 2024, je pense. C'est dragon. Ah oui, ce sera l'année du dragon. Donc on aura des dragons l'année prochaine. En plus de son Seifor. En plus de Seifor, on aura des dragons. Qu'est-ce qui représente le mieux un dragon? L'année dragon était 2012. Que les autres années étaient 2012 et 2024. 2024, ce sera l'année du dragon. Et 2025, imaginons ça va au plus loin. Donc, dragon, oui, il y en a. Serpent. Ah bah non, ça pourra pas être... Parce que le seul serpent que je connais dans Fire Emblem, bah c'est Gunveig. Des serpents. 2025, oui, ce sera l'année du serpent. Quelle chance d'avoir un fils si bienveillant et intentionné. Qui peut se transformer en serpent? Qui utilise des serpents? On va taper Snake Fire Emblem. Je crois pas qu'il y en ait un. Hein. Ça ne dit absolument rien. Snake Spirit. Hein. C'est une arme dans Fate. C'est utilisé par Orochi. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait Orochi. Bon, 2025, ce sera dans très longtemps. L'envie de ton sanctuaire avant que vous oubliez votre souhait. Bien sûr. Donc oui, là, c'est les deux là parce que c'est l'année du lapin. Ce qui explique pourquoi... Ouais, Orochi, il n'y a que Orochi qui utilise une magie du serpent. Il n'y a que, ouais. Donc, si jamais on va jusque 2025, on aura Orochi. C'est bien. Non, mais en vrai, c'est vrai. Peut-être qu'on n'aura pas Gullveig cette année, on n'aura que Seifor et sa sœur, dont j'ai oublié le nom. Et dans 2 ans, on aura Gullveig, vu que c'est l'année du serpent. Ah, voilà le sanctuaire en bas. Ce trajet est en train de m'épuiser. Qui choisit de parcourir une telle distance pour faire plaisir? Nous sommes presque arrivés dans Ambla. Ce ne serait plus très long. Parce que là, le duo, c'est Ask et Ambla. Bah, après, c'est les chauves-souris. Ouais. Parcourir une telle distance m'a donné chaud et. Waouh! Ouais, déjà, avec tant de gens, me fait somnoler. Il y a l'année de la vache, il me semble. L'année du bœuf, non? Dans le Zodiac. Bah, le problème, c'est que Ask et. H sont des vaches, pas des bovins. Je souhaite que Yarn soit en bonne santé et qu'il vive longtemps et qu'il ait de la chance au champ de bataille. Et qu'il trouve quelqu'un qui lui corresponde. Mais ça suffit s'il vous plaît, je voulais pas vous enfoncer. C'est pour ça qu'il y a eu deux, hein, pour le coup, il n'y a aucun rapport avec... Il n'y a pas de rapport, on va dire, entre... Yarn et sa mère, Palné. Mais ils font du taf de malade sur les artworks, hein. Surtout sur les bêtes. Hein.
En général, oui, quand c'est une bête, c'est normal qu'il fasse un taf de malade. Bon après bon, l'année du serpent ce sera 2025, mais l'année 2024 ce sera des dragons. Je sais pas qui c'est qui va la mettre parce que des dragons il y en a beaucoup hein, pour le coup. Nous sommes arrivés maintenant que nous sommes là, je suppose que je dois choisir mon vœu. Bref, si Alir est un dragon, on aura peut-être Alir un nouvel an. Hein. On souhaite que les mortels soient en bonne santé, en sécurité. Vous aussi, Blambla, n'est-ce pas? Pourquoi non, je ne suis pas... Même s'ils sont en bonne santé, ils finiront tous par mourir tôt ou tard. Ah, vous voulez pas qu'ils meurent? Pourquoi ne pas demander de prolonger leur existence dans ce cas? Qu'est-ce qui vous fait penser que je c'est ce que je souhaite? Dame Blambla, lorsque vous faites un vœu, vous devez donner une pièce en tribu. J'en ai fait une pour vous. J'en ai une pour vous. Eh, vous aussi. Bon, très bien, donnez-moi une pièce. Je donnerai une pièce aussi en espérant que mon souhait soit exaucé si la divinité du sanctuaire le veut bien. Qu'avez-vous demandé, H? Moi, ben, mon souhait est peut-être trop difficile à réaliser, mais je veux que nous continuions à nous réunir au cours des années à venir pour célébrer le nouvel an. C'est un magnifique vœu, H. Je suis d'accord, planifions une visite au sanctuaire l'année prochaine et toutes les années suivantes. Oui, non, entendu, père. Oui, c'est vrai qu'elle l'a, il l'a officiellement reconnu comme sa fille. À la fin du dit. Ah bah à la fin, même pas à la fin. Hé hey, c'est moi ton ou la. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Ils remettent. Mais c'est débile. Ouais, level 30, donc ils sont. Donc c'est le difficile. Ils remettent l'histoire en. C'est un peu con. Tu as trouvé ça con. Bah ouais, si tu fais le mode... Ah ouais, ils font... ok. En mode difficile, remettre l'histoire, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah, si on l'a vu une fois, bon, pas la peine de la regarder. Ok, c'est... comme ça. C'est comme ça, écoutez, hein, je vais pas juger. Hein. Faut que je tue des gens avec une avec un épéiste. Bon, j'aurais pas le ticket tout de suite. Hein. Ah ouais, bon, bah écoutez. C'est comme ça, hein, que dire. Bah good, si j'avais su, je l'aurais fait en difficile tout de suite. Bah quoi que non. Bon, ça change rien que je le fasse en difficile ou pas. Ah oui, du fait que c'est pas une bête, mais un mage. Ah bah oui, pas du coup. Bon bah je passe, hein, pour le coup. Est-ce que c'est aussi, on est aussi là, on espère. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que... Je sais pourquoi. C'est moi qui ai pas mis une option. Écoutez, je vais la rajouter après. Le fait qu'il puisse tanker un coup sûr. Non, en fait, c'est pas moi, c'est pas la faute du jeu, c'est ma faute. J'ai oublié, vu que c'est un nouveau téléphone, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Il y a ça, passer le dialogue. C'est une option que j'ai oublié de valider. Petit aperçu des stats. J'ai envie de te dire, le problème des Tagwells, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de rêves. Ah, il m'a quand même un peu tabassé. C'est pas ça qui va l'aider. Hein. Qui a dit que le duo Atari ne pouvait pas tuer? Au contraire, c'est une très bonne unité pour tuer. Hein. Elle ne fait pas qu'attaquer cette unité. Alors là, ça va être très dur. H, elle est 0.
Alors là, je crois pas que je tue avec... Ah si, ah non. Ah, ça tue. C'est bizarre hein, comme strat, mais oui, je fuis. Je l'ai dit, hein. Oh, il est très fort, mais il est très bizarrement plus fort en tourmente. En tourmente, il me pétait la gueule, le ask. Et voilà, c'est fini. 80 yens annexe. C'est fait. Donc, le centième, ce serait éventuellement un livre 7. Éventuellement. Parce que, bon... 13 orbes en plus, ça fait 105 orbes. Ce qui est quand même relativement pas mal. Surtout que vu les orbes que j'ai utilisés pour tout au long du jeu. Bah tout au long on va dire pour Noël. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. En plus j'ai suffisamment d'énergie. J'avais suffisamment d'énergie pour le faire. Alors là j'ai 5 tickets et là j'en ai que 4. Bon, c'est pas grave, on va pas invoquer énormément sur le focus là, étant donné que on en reparle après. Alors du coup les stats, 56, 7, 42, 37, il fallait se douter que Ask soit une unité très tanky. Mais c'est vrai que là on l'a pas vu bien tanker en réalité. Il a eu un peu de mal à tanker Eldegard. Après cette unité défensive. Pareil pour Ash qui est un peu plus défensif que son paternel hein, pour le coup. Vous voyez. C'est un peu bizarre qu'après le duo a une capacité en plus qu'une unité comme ça. Elle est pas mal, elle tank très bien, plus elle se heal. Elle, bah classique, hein. Classico classique. Il lui manque un A, hein, c'est ça. Que je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas mis un A. Après bon, vous pouvez lui mettre n'importe quoi en A. Coup fatal, coup foudroyant, solo. Parce que bon c'est une unité qui va être souvent seule. Epalm qui est du coup une unité 3, 4 étoiles, c'est elle la 4 étoiles, du coup vous pourrez récupérer conflit attaque vitesse 3 si vous voulez en 4 étoiles si vous voulez l'avoir. C'est ça le problème, elle a pas beaucoup de raids. Puis c'est une cavalier. Donc faiblesse des cavaliers. Mais bon, c'est un lagus quoi. Lagus. Je dis un lagus mais c'est une bête. Bon, et eh ben c'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver du coup pour la vocation. Bah, si vous le souhaitez, mais normalement, et si ça ne vous intéresse pas, bah, on se retrouvera pour le chapitre 3. Bon, entre grosses guillemets, le chapitre 3 du livre 6, avec du coup bon, la suite du jeu. Je ne peux pas pronostiquer de jeu. Le jeu qui va apparaître, parce que bah, littéralement, il y en a encore. Il y reste tout sauf Fate. Donc on se retrouve pour le livre 6 qui commence, je pense qu'il aura lieu mi-janvier, je dirais, avec la suite du livre. Bref, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.